Allez, on est back pour la suite de Pokémon X. Et on avait clean du coup la fabrique. Et récupérer la Master Ball. Et ça, c'est pas mal. Ok. Après le passage de la Team Flare, ça m'étonnerait que ce soit possible. En fait, la Team Flare, ils ont embarqué toutes les Pokéballs, c'est terrible. C'est terrible. À mon avis, il vaut mieux se tenir le plus loin possible de tous ces filous. Oh là là, Serena et Yungo, vous êtes formidables. Vous avez réduit ces clowns en bouillie. C'est quand même... C'est quand même très niais. Bon, on va aller, mais on y va. Vous avez reçu un message sur votre holo-kit. Flash spécial, la prise d'otage à l'usine de Pokéball dans la proche banlieue de Romans-sous-Bois. Ah, c'était à Clichy-sous-Bois. Terminé sans incident notable. En fait, les agresseurs sont toujours inconnus. Aucun impact sur la vente de Pokéball. Incroyable. Tellement, tellement de RP là. Connectez-vous à Internet ou rendez-vous dans des endroits où beaucoup de monde. Vas-y. Ah. Les costumes ne sont pas taillés pour la course. Costumes ne sont pas taillés pour la course. Attends, parce qu'à droite, la Team Flare, ils nous laissaient pas passer. Est-ce que maintenant, ils nous laissent passer ou toujours pas? Et est-ce que j'ai besoin de soigner mes Pokémon? Bien sûr que non. Ils nous laissent passer ou pas? Ah oui, ils sont plus là. On ne me la fait pas. Bémepo. C'est une pomme, quoi, quelque part. Une bépomme. Oh! Albin. C'est bon vieux Albin. Putain, j'ai attrapé froid. Ça y est, je passe pas l'hiver, les mecs. Attendez, je me... Oh, je passe pas l'hiver. Hein. Malheureusement. Hein. Je crois que la cam n'est pas bien placée. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux là? On va voir Pikachu quand même. Fait quoi exactement ça? 55. Tellement malade dans ma vie. Rhinolo. Bon, je pense que je stream que 2 heures. Thank you.
Comment ça, Pikachu à la trouille? Vive attaque. Hypocéan. Ok. Mec se cache dans des tas de feuilles. On aura tout vu. On va essayer ça, hein. Aura sphère, ça c'est pas mal ça. On échoue jamais. On tape à 80. Ça c'est pas mal ça. Ok. Il faut aller par où? Paru. Ça semble être par là, hein. Check à gauche, là, sur un truc. Super. Il me tombe sur le coin de la gueule. Jibril. Ou Gibriel. On sait pas. On sait pas, les mecs. Flamber. Incroyable anime. On a plus ça, ça existe plus ça. De nos jours. Oh, de nos jours, ça existe plus ça. Mega Sensei. Le bâtard. Pas de attaque avec lui? Mais bien sûr que si, mon pote. Comme un bonhomme. Parfait. Bon, du coup, à gauche, il n'y a rien. Ah, une petite boule. Un muscle plus. Un Estid muscle plus. Donc, il faut aller par là. Combat double. On va peut-être, du coup, pouvoir tenter la strat des deux attaques qui se combinent, là. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire, là? On va voir. Comment ça marche cette merde? Erdo. Erderbe. C'est un peu le même, je sais pas comment ça marche. Finobi entend et utilise Erderbe. Les deux capacités se sont combinées. La merde! Ah, ça crée un marécage. C'est tout. Tout ça pour ça? Ah non, en fait, on attaque à deux en même temps. Ah non. Je comprends pas le projet, là. Genre, ça tape deux fois plus fort. Ça sert à quoi, le marécage? Il n'y a aucun effet.
C'est quand même très flou cette histoire. Pas trop le projet de ces attaques, mais... Coup de jus. Ça pas combien, ça 80. Pas. Regarde mon frère. On voit le flamber. Vas-y, il faut juste que ça passe là. Oh, le con. Ouais. Pas convaincu par cette affaire. Ici, je pense qu'il y a des flouettes, mes couilles, là. Attaque-moi! Attaque-moi! Par contre, j'ai plus de vie. Il va falloir balancer une popo d'entrée. Ah ben non, on va l'envoyer d'Eden. Oublie la Pau Pau. Fuck the Pau Pau! Non. Électrique. Est-ce que ça, c'est fort contre électrique? Je sais pas, il est quel type ce trou de balle? Ténèbres. Acier ténèbres. Quoi? Je vais pas pouvoir tester. Ah, c'est quoi cette merde? C'est un truc fait ça, non? Cette merde, il faut me reporter la belle 12 voire lunaire. Ah, ça c'est très plaisir. Et pas très efficace. Ténèbres alors, je sais pas ce qui est efficace contre le type fait, ça me rend fou malade.
Ah, Lucarios. T'as jamais dit qu'être amoureux, c'était un sacré bourbier. Voilà, comme un bonhomme. C'était là-dessus, hein. C'est quand même pas mal, les mecs. Elle tourne la tête quand j'arrive. Chemin tristesse. Ah bah c'est chez moi ça. Je reconnais, c'est chez moi ça. On a la maison. La frescale. Parfait, Young. Ça faisait longtemps, moi aussi, quand j'avais ton âge. Région, un peu. C'est pour ça que je prenais les cafés de Carlos. Ah, Dexio. Une étude de Pokémon que Lysandre a mentionné dans le café. Oui. C'est un Pokémon légendaire. Son nom est Xerneas, d'après les annales. Tous ceux qui ont croisé sa route ont rapidement succombé à son immense pouvoir. La seule chose qu'on en sait, c'est que son apparence rappelle la lettre X. C'est un Pokémon qui semble capable de manipuler l'énergie. L'énergie, le Pokémon. Pokémon. En distribuant sa force vitale, il permet aux plantes et aux Pokémon de croître. J'ai envie de savoir un Pokémon pareil qui vient se trouver maintenant. Pokémon légendaire de Kalos perdent leur vitalité et ils sont dans le soleil. Les annales dont je parlais sont vieilles d'un millénaire. Seulement l'un ou l'une d'entre vous pouvez retrouver ce Pokémon. Je pensais faire des recherches à son sujet, moi aussi. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous tiens au courant. Ah ça, si vous trouvez ce Pokémon, les choses seraient intéressantes. Mais bon, tant que vous remplissez vos objectifs et que vous faites du voyage avec le Pokémon, c'est l'essentiel. Caverne gelée. C'est peut-être le prochain objectif, je pense. Encore une caverne, bah c'est bien, moi qui adore ça. Je sais pas par où je dois aller, est-ce que je dois monter, est-ce que je dois descendre. Il y a beaucoup de choses à voir là, dites donc. Oh, petit plan qui sert à rien mais on apprécie. Ça me rappelle une ville dans la 5G. La ville, si tu as c'était Echo. Je peux pas te monter. La ville rempart qu'ils avaient construit pour se protéger de des Pokémon légendaires. Là. En gros, il faut descendre. Ah non, c'est par là alors, caverne gelée. Mais il y a quoi au sud? Je mange toujours la solution ou pas?
Non, je l'ai plus. Je vais voir si je rate rien au sud. Monix. Je vais voir si je rate rien. Le centre Pokémon au sud. Dirigez-vous vers le nord. On parle même pas du sud, donc. Je pense qu'on est pas mal. Ah, Mochon, quelque chose te chagrine avec la caverne gelée. Vas-y, let's go. Je vais tirer le portrait. Angel. Il est type normal, lui. Luco. Interdiction au roller et au vélo. Et il vient là. Léa, le top dresseur. Ah oui. Ça envoie des... Les double épées de la légende. Un peu naze cette attaque. Sauvage ici ou pas? Pour l'instant on n'est pas emmerdé, mais il m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Tristan. Ce bon vieux Tristan. Oh, Raichu. Est-ce qu'il a le bout de la queue coupé comme l'autre? Non. Putain, mais l'autre il avait le bout de la queue coupé ou j'ai rêvé? Trop bizarre. Bah du coup on a lui qui a une attaque sol. Ah oui. Let's go. Aquaquac. On va rester là-dessus.
pourra se faire. Ça peut faire du dégât. Putain, on a la même anime, mon pote. Sauf que je te tue. Putain, ça finira donc jamais! Champion de la ligue ou quoi? Tellement stylé ce mec. Là, je me buvrais bien une petite Red Bull là. On est donc sur ce genre de... C'est forcément là. Là, c'est soit à gauche, soit à droite. Je pense que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que j'ai un petit peu d'expérience. Hein. Je viens de Johto, moi, monsieur. Ok, même à Kanto, il y avait ça, déjà. The Lost Reliquant. Il est quoi lui? Il est haut! Au rush! Je suis pas bonne chance. Je savais que c'était une merde comme ça. Rinoff. Strasenseur. Désolé, mais shuriken. Attaque la nuit avec des shurikens de muscu, frappe 2 à 5 fois, non, toujours au premier. Ouais, c'est un peu de la merde. Je peux rendre confus. Ça frappe en premier, mais ça frappe à 15. 30, 60, 75. Je crois qu'on va enlever Shuriken, c'est de la merde. Que c'est vilain quand même, pour vrai. On va faire surf, hein, bonne chance. Bye.
Ça m'arrange pas tout ça. Gagne de l'XP, lui. Eh ouais, il est psy, donc t'es net, c'est... Balayette. La vitesse d'elle flambée. C'est tout. Car l'atterrissage, sage. Ouais, mais non. Ça, c'est pas cool, ça. Je me soigne plus qu'il m'enlève de vie. Ça veut dire qu'il y a un monde où je vais être full PP. Enfin, full PV. Là, logiquement, il ne tue pas. Ah, je le tue. Ciao, Queen. C'est rouge. Il a éboulement. Pourquoi t'as peur? T'es une épée! Merde. Une épée légendaire ou pas? On va devoir se heal, hein, les potes. On va
il au moins lui. Et lui. Genre, il y a des Pokémon sauvages. Oh! Ça me donne tellement envie de Shiny Hunt quand je vois des hordes comme ça. Donc la fuite, elle prend tellement de temps. Exagère. Ah, t'exagères, là. Allez, salut. Souvent, il y a des Pokémon stylés. C'est mon rêve de trouver un shiny. Laissez Blizzard War. Ils sont complètement fous. Mario. Parfait, parfait, parfait. Myosotis. Hello. Hello, hello. Mise à jour, ça l'a mis en PLS. Donc pour ça que le stream flop. On va faire une heure de stream. Je suis plus très chaud là. La musique aura pas duré longtemps. Ça
Zawa reçoit la Pizarrit. Zawa retient. Zawa retient. Voilà. Pas vraiment ça. Donc je suis venu là pour la Pizarrit, c'est tout. Bon, les gens. Je sais pas, frère, c'est une heure qui mais... Attends, est-ce que je peux utiliser une corde sortie ou pas? Débarrasser, parler au Blizzard Roi. Hein. Maintenant que ma motion s'est calmée, vous pouvez vous rendre sur la route 17. Utiliser une corde sortie. Tout l'après-midi de midi à 17h, j'ai coupé pour aller poster un colis et je suis revenu, j'ai relancé. Quoi le taf? T'es comment? Putain, c'est dans la gauche ou en bas? Jamais le montagnard vivra. C'est dragon sol. C'est dragon sol, ce qui n'a aucun sens parce que ça devrait être insecte vol. Je crois que c'est dragon sol. Ça n'a aucun sens. Affreux. Bah faut se dire que c'est derrière. Voilà. 17. La fresca. C'est peut-être en bas. C'est peut-être en bas. Oh, par là. Pas par là du coup. Le soleil se lèvera toujours. Celui que t'aimes pas. Bah c'est celui que... C'est le premier sur 3DS. C'est celui à l'époque que je le mettais dans mon top 3. Aujourd'hui avec le recul... Il y a beaucoup de clins d'œil à la 1G mais on se fait un peu chier quoi. Mais bon, faut bien passer par là pour finir ce marathon. Non, ça va, c'est ok, mais c'est pas exceptionnel, quoi. On a vu mieux, on a vu pire. Route 17, route Mamochon. Et du coup, il faut être à dos de Mamochon. D'oiseau. Et... Ah, sur Switch. Switch, on n'est pas vernis quand même. C'est très stylé, mais bon. En fait, ça m'a un peu saoulé le DLC. Ce qui lag de fou, en fait. Ah, Mario, c'est incroyable. Hein. Ah, le DLC Pokémon, il m'a saoulé, en fait. Je l'ai terminé, j'ai plus jamais remis les pieds parce que c'est. Mais je dois aller où du coup?
Ah. Je peux casser s'il te plaît. Casser les trois pour passer. D'autres chefs. Comment je descends? C'est quand même très très naze ce genre de monture. Non, ouais, ça a lagué en fait. C'était chiant. C'était chiant et du coup je l'ai fait et je suis jamais revenu parce que c'était chiant. J'aimerais que nous retrouvions pour un combat devant l'arène de Fucelle. Putain, avant-dernier badge du coup. Incroyable. Si on peut torcher ça là. On peut torcher l'avant-dernier badge. Je voulais terminer le... le jeu ce soir, mais... Kameto, il va react aux deux derniers épisodes de... du Diable. Coréen, là. Du coup, je vais pas tarder la quête. Ah, c'est ça. Après, Pokémon, c'est un monde ouvert, tu vois, mais bon. Il y a Xenoblade, il y a Zelda... Ouais, je vais... Après malheureusement vendredi quand il a regardé les deux épisodes le 5 et le 6 je crois, j'étais avec Coco sur Discord et regardait la Starac et du coup j'ai rien suivi. J'ai suivi vite fait mais j'ai pas trop suivi. J'ai un peu soleil. On s'en fout. On n'a jamais de casquette dans les jeux. Résumé. Si ça peut se trouver. Hein. Son talent. Non, mais bon, je vais regarder. De toute façon, il y aura un résumé des épisodes précédents. Un de l'épisode précédent. Là, c'est la suite. Le Canadien est toujours là. Non, non, lui, il saute. C'est le deuxième à sauter. C'est à l'épisode 2, lui, je crois. Deuxième à sauter le Canadien. De toute façon, dès qu'ils ont viré Dong Jae, mon préféré c'était Dong Jae. Ils ont viré Dong Jae. Tiens, tiens, tiens. Une bille à la trouille. J'aime pas les youtubeurs. Et l'autre de l'astronomie. Orbit. Alors, le youtubeur, je suis d'accord. Bean, je crois. Bean, je l'aime pas parce qu'il fait le mec qui comprend jamais rien, mais en gros, il tire trop de ficelles. Et Orbit, il nique le jeu, en fait. Comme disait Kameto, c'est un genre de Danzo. Lui aussi, il tire plein de ficelles pour faire genre, ouais, le groupe doit avancer. Mais bizarrement, le groupe doit avancer, mais lui, ça le met trop bien à chaque fois. Et j'aime pas les mecs comme ça. Il est trop double face. Il fait trop le gentil qui bosse pour le groupe. Mais en fait, il travaille que pour ses intérêts, dans le fond. Merde. Pas le temps. Du coup, ouais, c'est... Je l'aime pas, Orbit. Je le déteste, même, je dirais. Moi, j'étais trop pour la team canadien, Dong Jae et la meuf. Pas l'avocate, elle était quoi l'autre? Je sais plus ce qu'elle était. Merde, j'ai fait une attaque. Je sais plus ce qu'elle était. Il y avait l'avocate avec Orbit et l'autre. Je sais plus ce qu'elle faisait comme métier. Putain, j'ai ruine, frère!
Charizard. Gancefleur. Pas vu qu'il a envoyé. Ah. Je crois qu'on va faire un épisode un peu plus long, mais je vais pas en lancer un derrière. On va faire ça plus l'arène. Et je vais déco. Pas se faire. Je tue pas. Et voilà, il va tomber amoureux. Peut-être qu'il était terroriste. Je sais plus qui était terroriste. Je me rappelle plus qui c'était. Celle qui est avec le Canadien et donc Jay. Dans leur équipe. Mais je sais plus qui. J'ai vu comment elle s'appelle. Je sais pas si c'était elle. Non, je crois que c'était pas elle. Hein. C'est elle? Ah ouais? Et je l'ai brûlé, ça c'est pas grave. Perfecto, perfecto. Comme ça j'aurai des VOD pour les 5 prochains jours. Ça, c'est pas grave. C'est comme 5 heures. Et en espérant finir le jeu demain. Absol. Je sais plus comment le baiser, Absol. Mais il y a Squid Game sur Netflix. Ah ouais, c'est demain? Ah, demain, je vais regarder le. Regarder le. Le JDR. Ouais, j'ai vu. Truc IRL. On verra ce que ça donne. Inépidi, ils font plus rien. Si, ils stream toujours. Amine, ils stream. Streamé Viren il n'y a pas longtemps. Ensemble, si, ils ont sorti une vidéo. Sur YouTube, ils sont partis aux États-Unis. Une vidéo. Arène de Fussel. Ils ont sorti une vidéo, j'ai pas regardé, mais j'ai vu 2-3 extraits. Ça a l'air marrant. Faudrait soigner. Où ça entre déjà? C'est qui elle? Je suis sous. Verine. Venir. Souvenir. Je veux dire les souvenirs. Ça, c'est là où Pokémon, tu vois, c'est parti en coup. On veut juste se taper, capturer, trouver des nouveaux Pokémon, évoluer.
Ça nous parle de souvenirs. Là-bas, il y a un mec à gauche, il nous donne des trucs aura, je sais pas quoi, aura, aura du bonheur et tout. C'est fou de vos trucs. C'est nous tranquille. Souvenirs, et ils vont nous dire oui, alors ton flambeur, tu l'as rencontré dans la forêt au début. Bah super. Je vais voir un extrait. Nouvelle émission France sur Twitter. France Short. Ouais, comme bah, y a dans tous les pays, Brésil, États-Unis. Oui, ça fait un moment, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Ça a l'air trop bien, faut que je regarde. On parlait avec Coco l'autre jour. Ah, ça doit... Non, quoique ça doit faire une semaine, je pense. Pas du tout. Non, mais c'est quoi le délire? Ah, il faut aller là. Wouah. Un film de boule. Ah. Et donc? Et le pépon en live. Bah ouais. C'est ça qui est bon. C'est même pas une meuf en plus, c'est toi. Chacun fait ce qu'il veut. Elle skip épisode 2, elle fait son... Je vais dire son coming out, mais je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Mais... c'est pas une meuf. C'est pas une meuf. Regarde bien, elle a une pomme d'Adam. Ta ta ta. Je pense que je vais regarder. Ça peut être marrant. J'ai vu tellement d'extraits sur Twitter en une semaine. Là. À ma vie, je me suis fait spoil. Ce qui a vraiment motif à se faire spoil. Luco, hein. Mon vieux Luco. Elle a pas dit. Non, elle a dit qu'elle avait plus. Elle l'a plus, elle l'a plus. Putain, c'est la route arc-en-ciel là. Je n'ai aucun souvenir de cette arène. Faut pas se mentir. Dirait le monde distorsion dans... la 4G. C'est comme Vax, comme fait. Bon, on va, mais on y va. Un Charmina. Enfin, une télé-réalité qui assume. Qui assume ce qui se passe, au lieu de tout couper et de nous montrer juste des embrouilles H24. Au moins, là, ils sont jeunes, ils sont là pour ça, ils s'amusent et bonne chance. À leur âge, j'aurais fait pareil. Hein. J'aurais passé les castings. Les Marseillais, toutes ces télé-réalités là, ça se passe pas la même chose, c'est la même chose, sauf que tout est coupé au montage, il reste que les embrouilles. On montre autre chose aux jeunes. Mais c'est interdit au moins de 18 ans. Hein. C'est que sur Paramount Plus ou je sais pas quoi, c'est interdit au moins de 18 ans. Tu
Moi, je préfère une télé-réalité comme ça que toutes les télé-réalités qui passent à la télé aux yeux de tous. Aux yeux de tous à 18h, accessible à la télévision aux yeux de tous. Là, il faut que t'aies un compte, un abonnement. C'est mieux comme ça, hein. Franchement. Tu vois, les conneries de télé-réalité qui passent à la télé. Et même les gamins de 8 ans, ils peuvent regarder ça, tu sais. Alors certes, il n'y a pas des scènes aussi hardcore, parce que tout est coupé. Mais ça s'insulte à longueur de journée. Je comprends pas, ça t'a rien. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre, hein, mais... Je sais pas qui est le champion, la championne, je sais pas où elle se trouve. De toute façon, il n'y a qu'une route, donc je pense qu'on est sur la bonne route. Hein. Ah. Peut-être. Je sais pas que si bah tout c'est bien. Ouais, parce que des moments où il faut un compte et surtout un abonnement, bah, les gamins de 12 ans, ils y ont pas accès, tu vois, logiquement. Là, il fait une crise d'angoisse. Astera. C'est comme Astérion. Oh non, pas lui! Ça pue la merde, là. On dirait un truc, ça s'échappe à toi. Allez, Pikachu, te fais pas one shot, s'il te plaît. Dans lumière. Défense. Forcément avec mur lumière. Ah bah oui. Mais qu'un mur lumière, tu veux quoi? Comme si tu veux une attaque. FF. Il y a 3 Pokémon, je crois. Ouais. Attends, psy. Tiens, je vais dans slam pour me buff. Il est moche, ouais, je le déteste. Mais en lumière, on a plus de. Ok. Putain, c'est soit. Il y en a un des deux qui est efficace, je sais pas lequel c'est. Ce qui est efficace sur psy, c'est soit ténèbres. Attends, quand t'es dans les ténèbres, tu vas avoir un psy. Soit c'est l'un des deux, mais je sais plus. Je crois que j'ai fait le mauvais choix. Ah non, c'est bon. Quand t'es dans les ténèbres, tu vas voir un psy. C'est ça. Pistigrix. Ténèbres, c'est plus fort que psy. Ça, hein. Il me reste quoi? Ouais, je vais être... Florizarre, c'est trop bancal. C'est trop bancal. Honnêtement, c'est trop bancal. En vrai de vrai, je pense que je vais tout miser sur Lucario. Il est quoi? Il est psyfé? Là, il se buff. Psycho. Ouais, c'était sûr. Et là, maintenant, ma seule solution, c'est de méga évoluer. Bonne chance.
Ah. Ça pue du cul là. Parce que si je lui fais pas de dégâts, c'est que lui va m'en faire. Ah. Faut pas qu'il me one shot. Please. Faut pas qu'il me one shot. Tout ça là. Attends, j'y save avant, non? Je crois que j'y save avant la championne, non? J'allais l'ouvrir en deux, mais en fait, en premier, elle avait qui clip héros, je crois. Héros, du coup, on va mettre Pikachu en tête. Allez, l'avant-dernier badge. On est quand même passé de d'un thème exceptionnel sur les premières générations pour les champions d'arène à ça. C'est de ça à la technoparade. Ah, mais tout va bien. Là, je fais du dégât. Puisque là, il s'est pas protégé deux fois. Là, je fais du dégât. La table des types. Et là, je suis bon en table des types. Wagada. Oh, je vais finir Pikachu. Hein. Il est vol. Vol électrique, tout va bien. Lui, il est haut. Haut électrique. Tout va bien. Après, il me tue, mais... Là, j'envoie Florizarre. Parce qu'ils sont tous psy, mais ils ont un autre type. L'autre, il était vol en double type. Et lui, il est haut en double type. Pikachu, il avait double avantage. Voilà. Eh. Là, ça se passe bien quand tout le monde est soigné. Mystigrix. Amphinobi. Le Goat. J'aime bien Mystigrix. Je sais plus dans quel jeu je l'avais joué. Je sais plus dans... Il y a un jeu où je l'ai joué, ce Pokémon. Dans... Et c'est la fin. T'as beau augmenter ton attaque speed, tu pourras plus attaquer, mon pote. À moins que je rate. Ouais. Et voilà. Fin du stream. Avant-dernier badge. Le chemin que vous avez parcouru prend forme sous tes yeux. Merci pour ça. Le badge psychisme.
plénitude. Oui. Waouh. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous YouTube et à très bientôt.